En manchette aujourd'hui, une surprise de terre aux galères Méritas à Pierre-de-l'Estage. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 27 mai. On débute tout d'abord par une nouvelle qui touche l'école Pierre-de-l'Estage à Berthierville. Hier soir, c'était soir de gala à Pierre-de-l'Estage. On soulignait le mérite de plusieurs élèves, des élèves qui se sont démarqués par leur rendement scolaire, leur implication dans l'école ou même leur personnalité. Cependant, une surprise les attendait durant ce gala. En effet, une prestation de Yann Perrault, le chanteur, compositeur natif de Berthier. Sur sa page Facebook, Yann Perrault mentionne ce retour aux sources. Il ajoute qu'il a pu emmener ses fils découvrir son patelin, donc la région de Berthier, voir sa maman, faire le tour des îles, même casser la croûte chez Boguette et prendre une crème glacée à la Maison des Glaces. Vraiment un beau tour d'horizon à Berthierville et dans les environs pour le chanteur populaire. Bref, un moment magique pour lui, comme il l'a mentionné. Sur ce, on poursuit. L'entrevue que nous a présentée hier Sandra, qui nous a offert hier Sandra Bouchard, donc du service à tête reposée. Madame Bouchard nous parle des services offerts par l'organisme. Est-ce que tu as sûrement des très beaux témoignages, mais on pourrait dire la relation qui s'établit avec cette personne-là, les aidants et la personne aidée. Ça offrirait peut-être une petite bulle aussi des familles. J'imagine que quand tu trouves la bonne personne au bon moment, au bon temps, bien, tu peux partir encore là à tête reposée, je reviens encore. Et tu sais que la personne va être entre bonnes mains parce que la problématique un petit peu des aidants, on entend parler quand on parle du Randa, c'est lâcher prise. Être capable de dire... Je fais confiance à une autre personne et cette personne va faire la même chose, va aimer autant mon conjoint, mon enfant que moi je l'aime et qu'est-ce que je vais lui donner. C'est vraiment difficile là, comme travail, mais gratifiant. Mettons qu'on va dire le terme plus gratifiant que difficile, c'est vraiment quelque chose, je suis vraiment impressionnée. Oui, bien, c'est des blocs de 3 heures minimum par contre. OK. Parce que c'est sûr que les gardiens ne veulent pas se déplacer non plus à... Les frais qui sont occasionnés, oui, c'est normal, c'est comme normal. Tout le monde. Oui, oui, oui. Mais oui, puis on a les accompagnatrices aussi, qui, eux, peuvent aller, exemple que je vous donnais tantôt, le garçon qui a une partie de soccer. Dans la famille. Dans la famille, oui. Qui a d'autres enfants. Le parent, c'est plus donné, donner de la tête. C'est ça, puis il ne veut pas brimer ses autres enfants. Exactement. Puis pour lui, c'est l'occasion de prendre du répit, puis de s'occuper des autres. Intensément. Oui, mais je comprends. Je comprends. Donc, ça va être l'accompagnatrice qui va aller à ce moment-là à la partie de soccer du garçon. C'est bien. Là, on a parlé de gardiennage raccompagné, oui. On a parlé d'éducation, formation. Le troisième volet, c'est? C'est le 24 heures. Le 24 heures. C'est les ressources. OK. Ça, c'est un autre volet. Encore là, vous n'êtes pas en relais d'urgence. Là. On s'entend. Non, c'est jamais un service d'urgence. C'est vraiment du planifié. Même avec les ressources, il va falloir qu'il y ait une rencontre, une première rencontre avant pour savoir si ça va fonctionner avec la clientèle qui est déjà dans la ressource. OK. Et après ça, si le jumelage s'est bien fait, ouais. Ben il y a... Et là, on parle 24 heures plus, donc c'est plus qu'une journée. Oui. Ça peut être une fin de semaine, ça peut être quelque chose qui est offert. Mais encore là, il faut, comme tu dis, il faut le planifier, ce dispatch. Est-ce que... On s'inscrit, de quelle façon on peut vous rejoindre pour avoir des services? Tantôt, tu me parlais de dossier. Donc, oui. J'imagine qu'il y a une première rencontre avec toi pour savoir les besoins de la personne. Ça se fait souvent par téléphone. Téléphone, moi, je comprends. Je vous dirais, là, c'est plus le téléphone, surtout avec la COVID qui s'est passée présentement. C'est surtout le téléphone. Puis comme on fait le Grand Lanaudière,
pour pas faire déplacer les non, gens non, je comprends. De loin. Mais tu non? fais pas d'évaluation dans la famille des je gens? Je ne fais aucune évaluation. Ben des services, dans le sens-là que je te pose la question. Tu vas pas, voir la famille en disant, lui, il dit, j'ai besoin de ça, ça, ça. Puis tu dis, ben moi, c'est ce cadre-là que je peux donner. C'est par la suite, vraiment, le gris à gris entre la personne, que tu as la ressource et l'aidant oui. qui décide de qu'est-ce qu'il peut avoir. Là. C'est lui qui fait une évaluation s'il peut être capable d'offrir le service dans la maison ou dans la résidence ou qu'est-ce qu'on oui, voudra, mais exactement. c'est pas toi qui évalue si c'est faisable ou pas faisable. Ben moi, en principe, si je prends le dossier, c'est parce que c'est faisable. OK. Quand j'envoie une gardienne dans le dossier, puis qu'elle me revient, puis qu'elle me dit que c'est pas exactement ce qu'il y avait au dossier, ben là, on rappelle la famille. OK, c'est ça, OK. Puis on demande. Puis après 2 mois, moi, je fais un suivi avec okay. les familles. Okay, comment okay. ça se passe avec telle gardienne que je vous ai donnée? OK, c'est ça. Donc, c'est parce ça. Il y a quand même un suivi ben, c'est à ça faire. Que je veux dire. Tu as quand même un suivi à faire oui. pour s'assurer que tout le monde est heureux dans cette, exactement. Dans cette organisation-là. On spécifie des gardiennes et tout ça, ça devient des travailleurs autonomes. Oui. Donc, c'est des gens qui s'entendent de gré à gré pour la rémunération. Donc, tu ne oui. te mêles pas de cet aspect-là. Non. C'est tant mieux, dans un certain sens. Tu as déjà assez à gérer de dossier, je pense que c'est bien fait. Et en terminant, qu'est-ce qu'on va parler? C'est justement, tu es toujours à la recherche de gardiennes, de ressources pour pouvoir fournir des services, donner des services à ces gens-là. Oui. Aussitôt qu'il y a quelqu'un qui a des heures, des blocs de 3 heures et plus, on me contacte par téléphone, par courriel, Facebook, okay. web. Le numéro de téléphone pour vous rejoindre? De 450-836-2020. 2020. Est-ce qu'il y a une boîte vocale? Est-ce qu'on peut laisser oui. un message? OK, c'est... Tu dois être sûrement très occupé, étant seule à travailler. Ça se peut que la boîte vocale... Et là, on dit, oui, j'ai entendu, je veux participer. Là, dans le fond, c'est toi qui rencontres en premier la personne. Oui. Il y a une espèce de mini-évaluation, là, j'imagine. Bon, qu'est-ce qu'elle est capable... Une fiche c'est ça. D'inscription à remplir. Quelle sorte de service qu'elle peut donner, oui. ses formations, justement, ses acquis. Oui. Puis par la suite, ses disponibilités. Puis là, j'imagine que tu essaies de faire un jumelage, c'est ça qu'on comprend. Oui. OK. Donc, on fait un appel à tous. Tantôt, oui. on ne l'a pas trop dit, mais vous êtes passé de 177 à 65 personnes. C'est oui. plus que la moitié, là. C'est vraiment... Avec la COVID. Avec ça... la COVID, ça leur a comme donné un coup, comme oui. on dit, là. Puis la demande est là. Tu me disais qu'il y a partout dans la Naudière, il y a des gens, que oui. c'est vraiment important. Puis là, les derniers téléphones que j'ai, c'est surtout avec les camps de jour qui sont oui. pleins. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis là, on m'appelle, est-ce que vous avez des gardiennes qui font du 5 jours semaine? C'est un petit peu plus difficile. Mais là, tu n'enverrais pas des jeunes, mais tu n'aurais pas des jeunes. Je n'ai pas de jeunes, c'est tous des 18 ans et plus. Il faut absolument que ce soit 18 oui. ans et plus. Oui. Tu sais, je te posais la question, dans le sens que, tu sais, mais ceux qui ont fait des petits cours de gardien averti, des choses comme ça, tu sais, ça aurait pu être des solutions, mais tu sais, il faut que ce soit 18 ans qu'on comprend c'est que ces choses-là. Mais si quelqu'un, justement, cherche un emploi, qui veut travailler pendant la période estivale, comme tu viens de dire, avec des gens en travailleur social, des choses qui veulent avoir des expériences de travail pour pouvoir éventuellement avoir un travail peut-être à temps plein. T'es quand même une belle ressource qui donne une belle expérience, puis c'est bien dans un CV, là, oui. qu'est-ce que t'as fait. C'est vraiment, vraiment... Bien, merci. Bon, bien, je te remercie beaucoup. Bien, merci à vous de m'avoir reçu. Bien, on va en parler. On rappelle le numéro de téléphone 450-836-2020. Et c'est le service, c'est souffler à tête reposée. Oui. Et gênez-vous pas, même à la limite, vous pouvez aller à l'hôtel de ville à Berthierville, puis oui. vous rencontrer, étage. Puis vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur votre service. Que je te remercie. Bien, merci beaucoup. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve,
le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. Tout d'abord, 27 mai, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Pauline Pelletier. La FADOC de l'Île-du-Port souhaite un heureux anniversaire à Danny Courchaine et à Sylvie Ducharme. Et le Centre d'action bénévole d'Audrey, le CABA, souhaite bonne fête à David Desmarais. Demain, 28 mai, le Centre d'action bénévole d'Audrey souhaite un heureux anniversaire à Céline Allaire et la FADOC souhaite bonne fête à Jasmine Cournoyer. Dimanche 29 mai, la FADOC de l'Île-du-Port souhaite un heureux anniversaire à Lise Fafard. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou encore ce week-end, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On termine notre semaine avec quelques nouvelles, deux autres nouvelles qui sont issues de l'Assemblée extraordinaire tenue par les membres du conseil municipal de la ville de Berthierville. Ça s'est déroulé en début de semaine. Dans ce premier extrait, il est question d'un bateau, le Calypso, qui fera halte à Berthierville au quai municipal. On écoute, on regarde l'extrait. H3, parc Gilles Villeneuve, descente de bateau, accès au bateau, la petite Calypso. Madame Fontaine, s'il vous plaît. Considérant le règlement numéro 965 concernant les stationnements pour les utilisateurs de la descente à bateau. Considérant l'article 8 décrétant le tarif journalier de 50 $, toute taxe incluse, pour les utilisateurs non résidents. Considérant la demande datée du 2 mai 2022 déposée par Jean-Marc Perrault, enseignant à l'école secondaire de la rive de la Valtrie, visant à bénéficier gratuitement du stationnement pour le bateau « La Petite Calypso », servant à des activités parascolaires, d'observation de la faune et de la recherche d'épaves. En conséquence, je propose d'autoriser l'accès gratuit au bateau « La Petite Calypso », servant à des activités parascolaires, d'observation de la faune et de la recherche d'épaves, propriété de l'enseignant Jean-Marc Perrault. Merci beaucoup, c'est appuyé par Pierre Lahaye. Monsieur Lahaye. Merci beaucoup. À ma gauche, qui est vous? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Aux petites réflexions, juste un petit commentaire rapide. M. Perrault n'a pas de lien avec moi, mais je peux vous dire que c'est un. J'ai enseigné avec lui, c'est un enseignant exceptionnel. C'est vraiment. Tout ce qu'il fait avec ses élèves, ça sort de l'ordinaire. On poursuit maintenant avec un autre dossier qui a été abordé lors de cette séance spéciale des élus de Berthierville en début de semaine. Il a été question d'un important dossier, celui de la réfection de l'aqueduc, en tout cas des travaux d'aqueduc, rue Chénard. On écoute le maire nous en parler. H8, réhabilitation de la conduite d'aqueduc de la rue Chénard. Octroi de contrat. Madame Lebrun, s'il vous plaît. Considérant l'appel d'offres publié le 28 avril 2022 dans le journal L'Action d'Autrée, ainsi que sur le système électronique d'appel d'offres, considérant le résultat de l'ouverture de soumission effectuée le 19 mai 2022, à savoir construction MOCA incorporée pour un montant de la soumission de 224 595,67. Généreux Construction Incorporée pour un montant de 237 962,32. Sintra Incorporée pour un montant de 258 371,82. Fort Action Incorporée pour un montant de 261 000. Ainsi, tu formes Technologie Limited pour un montant de 323 000. Puis Saint-Alexandre Service Environnementaux Incorporés pour un montant de 414 404,39.
considérant la recommandation datée du 20 mai 2022 émise par M. David Perrault, ingénieur de la firme GBI Expert Conseil Incorporé, suite à l'analyse des soumissions, considérant que la compagnie Construction Moka Incorporé est le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence, je propose de décréter les travaux de réhabilitation de la conduite d'aqueduc de la rue Chenard, d'octroyer à la compagnie Construction Moka Incorporé le contrat des dits travaux au coût de 224 795,67 toutes taxes incluses, telles que détaillées dans le devis numéro J13130-00, d'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté du montant net de la dépense encourue pour la réalisation de l'ensemble des travaux ci-haut mentionnés. Merci beaucoup. C'est appuyé par. J'appuie. Vous, merci. J'ai un appel au vote à ma gauche. Favorable. Les conseillers présents. On poursuit maintenant nos informations en retournant à Saint-Cuthbert. Voici donc la suite de l'hommage qui a été rendu à Stéphane Rousseau par l'école primaire, par les élèves, par le personnel et la municipalité de Saint-Cuthbert à Stéphane Rousseau, qui est un des rares humains à avoir mis le pied sur le plus haut sommet du monde, donc le mont Everest. Il a raconté son aventure aux jeunes. Cette fois, lors de cet extrait, nous vous présentons une partie des questions que les jeunes de l'école Sainte-Anne de Saint-Cuthbert ont posées à celui qui a vaincu l'Everest. On regarde cet extrait. La chose qui m'a, pour atteindre le sommet, ce qui m'a motivé, attends, je vais vous montrer quelque chose. Ce qui m'a motivé à partir pour faire le mont Everest, c'est quatre petits yeux, deux paires de yeux. Demain, Mathias, que chaque fois que je revenais de montagne, il me disait « C'est-tu la plus haute au monde? » Eh bien non! C'est bien non, puis à un moment donné, je les regarde et je lui dis « Ben, je vais la faire la plus haute du monde. » Ben, leurs petits yeux brillants, là, c'est ça qui m'a motivé à aller au Népal, essayer de faire la montagne. Mais ce qui me motivait à réussir, il y a deux choses. Pour la cause. Les étudiants de la classe de Mme Annie avant de partir m'avaient tous signé ça, leur nom, des petits mots d'encouragement. Puis la classe de 5e et 6e de Saint-Barthélemy, là, gars, elle m'a gagné parce qu'elle était vraiment loin, mais ils m'avaient fait ça. Qui me regardait, là, parce que quand on est jeune, on croit que tout est possible. Hein? Moi, je pense encore, je suis jeune, je crois que tout est possible. Mais vos petits yeux, vous aviez vraiment confiance en moi que je serais capable de monter. Même quand moi, je doutais de moi-même, là, et je me disais, non, tu n'es plus capable de marcher. Quand je suis arrivé sur la crête du sommet, là, il restait une heure et demie à marcher, ben, il n'était pas supposé d'avoir de vent, ben, il ventait des vents de 50 à 80 km/h. Puis on manquait de tomber à terre, on s'accrochait après la corde, puis on espérait d'être capable de se relever debout à chaque minute. Ben, à chaque fois que je tombais à terre, je m'accrochais avec une corde, je me disais, il y a des petits enfants qui sont en toi, fait que vas-y. Mon père, 78 ans. Il monte des montagnes
il monte des montagnes encore, puis c'est la première personne avec qui j'ai monté des hautes montagnes. Il est toujours positif, qu'il fasse frette, qu'il neige, que tu passes deux jours dans le temps, t'es tout le temps à la montagne, il va s'ouvrir une porte, prépare-toi, ça, tu vas pouvoir y aller, ben, il est toujours positif dans la vie. C'est ça. C'est lui. Famille! C'est beaucoup de gens. Ben, sur la montagne, il y avait 300 grimpeurs, ce qui est quand même beaucoup. La journée que j'ai fait le sommet, il y a 30 personnes qui ont réussi à faire le sommet, je pense sur 90 conseillers. Donc, c'est quand même beaucoup de monde pour une montagne. Sur ce, une ascension fort inspirante pour les jeunes et pour tout le monde. L'ascension de l'Everest par Stéphane Rousseau. Sur ce, allons à la pause. CHDL Saint-Charles-Borromée, le 19 avril, à 70 ans, est décédée Mme Gabrielle Boisjoli, épouse de Daniel Doucet, demeurant à La Veltrie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Emmanuel Doucet, Suzanne Sureau, Isabelle Doucet, ses petits-enfants, Camille Doucet, Anthony Foisy, Laurie Doucet, Nicolas Brassard, Simon Goupil, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Mario Boisjoli, Micheline Charette, Chantal Boisjoli, Roger Blanchette, Irène Boisjoli, Feu Céline Boisjoli, Pierre-Paul Lépine, François Boisjoli, Denège Goyette, André Boisjoli, Nicette Cloutier, Régent Boisjoli, Abdoul, Claire-Hélène Boisjoli, Sylvain Fouché, Lorraine Boisjoli, Yves Boucher, Jean Boisjoli, Joanne Côté, Tienne Doucet, Feu Claude Bernard, Feu Dominique Doucet, Joanne Doucet, Micheline Doucet, Guy Mousseau, Serge Doucet, Nicole Payette, ses filleules Josiane Boisjoli et Véronique Doucet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 27 mai de 19 à 21h et samedi le 28 dès 9h au complexe funéraire Eftério 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11h. Madame Boisjoli sera inhumée au cimetière de La Veltrie. Au CHDL, Pierre Legardeur, le 5 mai à 92 ans, est décédé M. Jacques Massé, époux de Hélène Daisy, demeurant à Repentigny, mais natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Jean-François Massé, Joanne Lefebvre, Philippe Massé, Hélène Jutras, Paul Massé, Suzy Barrette, Christine Massé, Claude Rinfrain. Ses 8 petits-enfants, Francis, Gabriel, Mélanie, Joël, Alexandre, Dominique, David et Anne-Sophie. Ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères. Camille, Yvonne, Denis, Gérard, Bruno, Yves et Christiane Massé. Françoise et Suzanne Daisy, ainsi que leurs conjoints-conjointes. Et de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 29 mai de 14 à 17h et de 19 à 21h. Et le 30 mai, dès 9h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h. Au CHSLD Parfilia Ferland, le 24 décembre, à 76 ans, est décédé M. Rémi Dauphin, demeurant à Berthierville et natif de Saint-Léon-le-Grand. Lui a précédé sa sœur Janine et laisse dans le deuil son frère, ses sœurs, sa belle-sœur et son beau-frère. Roger Dauphin, Annette Hénault, Lucille Dauphin, feu André Poirier, Muriel Dauphin, Pierre Rochette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 29 mai dès 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Monsieur Rémi Dauphin sera inhumé au cimetière de Saint-Léon-le-Grand. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 mai à 69 ans, est décédée Mme Gisèle Lavallée, épouse de M. Roger Piché,
demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa mère Claire Chevalier, feu Jean-Marie Lavallée, ses fils Martin Piché, Valérie Blais-Fortin et Philippe Piché, Élisabeth Desrosiers, ses cinq petits-enfants, Lévi, Adèle, Samuel, Alexis et Dahlia, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Louise Lavallée, Jean-Pierre Étu, Jacqueline Lavallée, Claude Laporte, Gilles Lavallée, Liette Leblanc, Jacinthe Lavallée, Lucie Caillé, Yvon Piché, Huguette Comtois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera lundi le 30 mai dès 13h au Salon funéraire Thériault à Berthierville, suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. Madame Lavallée sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au champêtre Saint-Ambroise de Kildare, le 9 mai à 91 ans, est décédée Madame Thérèse Poirier, fille de feu Cyprien Poirier, de feu Antoinette Bertrand, demeurant à Berthierville, native de Montréal. Elle laisse dans le deuil ses enfants, son conjoint, M. Roger Lamontagne, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 4 juin de 9h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h30. Madame Thérèse Poirier sera inhumée au cimetière de Hull à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Un vendredi gris, un vendredi pluvieux, il y a même plu beaucoup cet après-midi, mais ce soir, c'est faible pluie, évidemment, c'est très nuageux, c'est sombre et ça va rester de même dans les prochaines heures. On parle de 19 degrés, moins de 1 mm de pluie ce soir. Cette nuit, faible pluie, entre 1 et 3 mm, 16 degrés au thermomètre. Samedi matin, la faible pluie se poursuit, 17 degrés au réveil, 1 à 3 mm de pluie supplémentaire. Samedi en après-midi, risque d'averse, peut-être un peu de soleil, ça ferait du bien, 21 degrés, on parle de moins de 1 mm de pluie dans cet avant-après-midi de samedi. En soirée, le soleil sera de retour, donc un soir qui se termine bien, un samedi soir qui se termine sous le soleil, 19 degrés, la pluie aura cessé. Dans la nuit, samedi, ciel généralement dégagé, 9 degrés, c'est quand même frais. Dimanche matin, généralement ensoleillé, 15 degrés. Dimanche après-midi, ciel variable, mais encore le soleil sera présent, 24 degrés. En soirée, dimanche, ciel variable, 21 degrés. Et le ciel variable reste pour la nuit de dimanche avec 13 degrés. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 27 mai. Alain Bellumaire au pépite qui vous souhaite une excellente fin de semaine sur nos ondes. Et on se revoit pour la prochaine édition du bulletin d'information à CTRB, votre télévision locale et régionale, lundi. À bientôt!